Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors je tente un nouveau cadre pour fêter ce premier tuto de piano. Voilà, donc du coup, comme j'ai pas beaucoup de recul, je voulais quand même qu'on voit le piano, qu'on sache de quoi ça va parler. Donc premier cours concernant le morceau Contine à notre été, morceau de Yann Tiersen, qui sert donc de bande originale au film Amélie Poulain, bien sûr, de Jean-Pierre Jeunet. Et donc j'ai fait deux niveaux de force pour ce tuto, enfin en tout cas pour la main gauche. C'est-à-dire que si vous commencez le piano, je vous ai vous montrerai une petite façon de faire juste à trois doigts. Si vous connaissez déjà un petit peu le piano, mais tout ça, vous voulez vous y remettre et machin, vous pouvez peut-être utiliser la méthode originale, celle donc écrite par Yann Tiersen. On utilisera quatre doigts. Voilà. Pour le reste, écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas quelle va être la durée de ce tuto. Nous verrons bien, c'est la grande aventure. Surtout, vous me direz si ça le fait, ce qu'il faut changer. En tout cas, voilà, c'est un vrai truc test. D'accord. Donc s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, il faut me le dire. En attendant, on commence. Voici donc la méthode numéro 1 pour la main gauche, c'est-à-dire c'est une version allégée par rapport à la partition originale. Donc ça donnerait ça. Vous placeriez le quatrième doigt. Alors je me permets, comme c'est la première vidéo de piano, de rappeler que au niveau des doigtés, le pouce des deux mains, c'est le numéro 1. Et le petit doigt, c'est le numéro 5, d'accord. Donc si je parle du quatrième doigt, 1, 2, 3, 4, ce sera ce doigt-là. Donc vous mettrez le quatrième doigt sur la touche Mi. Voilà, le Do du milieu est ici, hein, d'accord. Parce que des fois, avec la caméra, je suis obligé de bouger, mais là, le Do central est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5 touches blanches en dessous. Voilà. Ensuite, le pouce sur le Si. Après, le 2 sur le Sol. Le pouce sur le Si. Voilà. Et vous faites ça en boucle. Et on recommence. Ma main au niveau de mon positionnement, je suis pas les doigts aplatis, je suis pas non plus trop comme ça, j'ai juste l'avant-bras dans le prolongement de la main. La main est un petit peu arrondie, comme si vous teniez une pomme, ou un pomelo peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça, sphérique, plus ou moins sphérique. Voilà, avec ça vous avez fait une mesure complète, donc vous avez fait un quart de l'accompagnement. La deuxième mesure, vous conservez ce positionnement, à ça près que l'annulaire va partir, le numéro 4e doigt, et on va mettre le petit doigt sur le Ré, c'est-à-dire une touche en dessous de la note qui était ici dans la première mesure. Clac, comme ça. Et on garde le même schéma, c'est-à-dire... Voilà, vous avez fait la deuxième mesure. Je vous fais les deux trucs d'affilée. Deux mesures d'affilée. Commencez le piano, vous serez peut-être tenté par ne pas utiliser le petit doigt et mettre le 4 une deuxième fois en dessous. Ce qui donnerait ça. Ouais, dans une méthode plus traditionnelle, vraiment, ce serait le petit doigt. Voilà, donc je montrerai de façon... Bah, première vidéo, alors attendez, il y a plein de choses à dire. Donc voilà, donc sur le Ré, soit vous mettez le 4, soit vous utilisez le 5. Moi, je propose le 5 tout de suite, de manière à ce que vous bossiez tous vos doigts. La troisième mesure. Donc on était sur ces trois notes-là dans la deuxième mesure. Dans la troisième, le sol, enfin l'index disparaît, le deuxième doigt, au profit du troisième doigt sur le Fa dièse. Donc c'est le demi-ton qui est juste en dessous de la note précédente. Ok. Pareil, 8 croches, 6, 7, 8. Ok. Je vous fais les trois positionnements. Alors ça c'est une bonne méthode de bosser les positionnements en accord, quand c'est possible. Ici c'est le cas, c'est-à-dire que quand on fait... On a un accord qui est dessiné autour de ces trois notes-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est déjà bosser effectivement positionnement de ce qu'on trouve dans la mesure 1. Après, on avait dit le petit doigt, une note en dessous. Positionnement de la mesure numéro 2. Positionnement de la mesure numéro 3. Donc on enlève l'index et lui vient en Fa dièse. D'accord ? Donc du coup, pour la première mesure, ce sera ces trois notes-là. Pour la deuxième mesure, ce sera ces trois notes-là. Troisième mesure, ça. Et pour la quatrième, comme ça, c'est vu. Le pouce descendrait une touche à gauche. Les deux autres restent à leur place. D'accord. Je vous le refais une dernière fois. Et ensuite, vous n'aurez donc plus qu'à appliquer le schéma d'arpège. Au passage, qu'on appelle une basse d'Alberti. À l'époque classique, c'était très utilisé dans les pièces de Mozart. Ce genre de choses. Donc... 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure, on a dit que c'était ce schéma-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3
troisième mesure, on a dit que c'était cet accord-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Pour la quatrième mesure. Voilà. Vous bossez ça. Il faut que ça devienne automatique. Vous pouvez le faire au bout d'un moment sans regarder du tout. C'est même préférable. Donc après, il y a un certain passage avec les doubles où il faudra vraiment que la main gauche, bon, elle est intégrée, elle joue toute seule, voilà, voilà. Voilà, donc ça c'était la version de main gauche mode light. Maintenant le mode normal serait de faire ça. Voilà, ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a des écartements. Alors allons-y, première mesure. Alors là c'est pareil, on peut dessiner des schémas d'accords dans la première mesure. On aura besoin de ces quatre notes-là. Ok, donc vous essayez de plaquer cet accord, mi, sol, si, mi, avec petit doigt sur le mi, 4 sur le sol, 2 sur le si, pouce sur le 1, et le numéro complémentaire. Enfin, je déconne. Voilà, c'était l'accord de la première mesure, donc on va la pratiquer au niveau de l'arpège comme ça. On plaque ce qu'on appelle l'octave, c'est-à-dire de mi à mi. Ensuite, 2 sur le si, 4 et pouce sur sol et mi. Après si, fin du schéma. 3, 4, et on refait 5. Essayer de jouer le plus égal possible, c'est-à-dire, enfin déjà régulier, c'est-à-dire pas d'à-coup. Non, c'est vraiment que des croches de manière régulière. Et les sons, si possible, maîtrisés, c'est-à-dire on veut éviter d'avoir des à-coups, des accents genre. Non, parce que c'est moche, tout à fait. Donc pour ça, il faut que... Voilà, donc ça c'était la position pour la première mesure. La deuxième mesure, on gardera les deux notes au milieu. Et le pouce et le petit doigt descendront sur Ré et Ré. Et on applique le schéma d'arpège, le même. Ok, donc vous posez bien au départ ça, pour l'accord de première mesure. Ça, l'accord de deuxième mesure. L'accord de troisième mesure, c'est comme tout à l'heure en fait. Le Sol descend sur le Fa dièse. D'accord, donc on applique le schéma d'arpège. 5, 6, 7. Et dernier positionnement, ce serait cet accord-là qu'on peut faire avec un doigté qui change un petit peu sur le Fa dièse. On mettrait le 3. L'accord en question, Ré, Fa dièse, La, Ré. L'accord de Ré majeur. Et on applique le schéma d'arpège. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, avec ça, vous savez faire la main gauche de tout le morceau. 2, 3, 4, 5. Deuxième mesure. Voilà. Donc du coup pour la main droite, alors je vais prendre à la main gauche la version light, hein, comme ça. Ok, donc ça va donner ça. 1. Vous avez fait la première mesure, mains ensemble. Donc du coup, première croche toute seule ici. Je vais démarrer les deux pouces ensemble. Ensuite, dès que j'ai joué ici le sol, l'index viendra par-dessus faire le Fa dièse et reviendra sur le pouce. Sur le sol, donc. D'accord, encore. Suivi de si et si ensemble. Encore ça. Je refais. Deux, trois, sept, huit. En fait, et là, on a fait les huit croches de notre main gauche. C'était la première mesure. 6, 7, 8. Deuxième mesure. Petit doigt sur le Ré. C'est le même placement rythmique à la main droite. Les notes changent un peu par contre. Fa dièse. 7, 8. Je vous le refais moins vite. Fa. Là, ça va piquer. C'est normal. Hein, c'est 7e majeur. Ça fait toujours un peu bizarre. Fa dièse, sol, la, sol. Donc, on fait les deux premières mesures.
troisième mesure. À la main gauche, mon sol disparaît, je fais le fa dièse à la place. La main droite. Placement rythmique. J'ai fait quoi? Fa, mi, fa dièse, mi, fa dièse, si, do, si. Donc, un. Elle est très light. Oui, il n'y a que trois notes dans la quatrième mesure. Donc 1. Et je vous refais tout ça. Pas trop vite. 6, 7, 8, 1. 6, 7, 8. Ensuite, la main gauche reprend tout pareil, toujours. Ensuite, petit doigt à la main droite sur mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc sur la première croche de main gauche, j'ai fait mi à la main droite, ainsi que le mi de main gauche. Et je suis parti ensuite sur un si à la main droite, sur la quatrième croche de main gauche. 1, 2, 3, 4, et puis je finis mon schéma. 6, 7, 8. Ensuite, la mesure suivante, ce sera ré, avec ré en bas. 1, cette mesure-là, c'était ré si à la main droite. Je vous fais les 5e et 6e mesures depuis que les mains sont ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ensuite, fa dièse main droite. 1, 2, 3, si. Pareil sur la 4e croche. Et puis ensuite, fa dièse la. Même placement rythmique, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous refais. Donc la mesure 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Et on n'arrive presque au bout. Ensuite, la main droite, on va jouer deux notes ensemble, le si et le sol, avec 2 et 5. Main droite, main gauche, toujours pareil. 1, 2. Alors la main droite toute seule. 1, 2, 3, 4. Donc, deuxième sur si, cinquième sur sol. 1, 2, 3, 4e croche, on partira sur sol au pouce, 4 sur le mi. Voilà, donc ça, ce serait les doigtés classiques, on va dire. Si vous commencez le piano, je pense que vous opterez pour une poussine, un truc comme ça. Pousser 5 et puis repousser 5. Ce qui est moins juste puisque du coup les notes ne vont pas être liées entre elles. Mais au départ, si vous voulez vraiment voir ce que ça peut donner au niveau du son. 2, 3, 4. Vous voyez, donc je reprends mon doigté traditionnel. La mesure suivante. Si sol. Et puis sol ré. Je vous refais les mesures 9 et 10. 11, si et fa dièse à la main droite, 3, suivi de fa dièse et ré, voyez, comme ça, je range les doigts, ne le faites pas, hein, c'est juste pour que vous voyez bien, d'accord, donc, 1, 2, 3, 4, et la mesure 12, c'est quasiment pareil, sauf que l'index est sur le la. Ok, les mesures 11 et 12, ok, je vous refais les mesures 9, 10, 11, 12. Et on attaque les 4 dernières mesures du morceau. Alors donc, la mesure 13, à la main droite, on va doubler la vitesse, c'est-à-dire qu'à la main gauche, on a des croches. Et ici, on va faire des doubles croches. Donc, ça va donner ça. Déjà au niveau des doigtés et de la première position. Si au pouce,
2 sur le mi, 6 petits doigts, et ça fait... Ça ressemble à rien hein, quand c'est joué comme ça, c'est vrai. Imaginez maintenant que c'est à la bonne vitesse. Ah, c'est mieux. Donc vous le bossez très lentement et ça marchera très bien. Alors.